Le samedi 5 février a eu lieu la 4e journée du championnat de France B1 au Centre technique et sportif de la Gaillette. Une 4e journée particulière marquée par deux rencontres successives entre le Racing Club de Lens et l'AVH Paris. Après l'entraînement, place aux photos officielles et à l'entrée des deux équipes sur le terrain. Coup de sifflet du premier match à 10h précises. Dès les premiers instants de la rencontre, Kevin commence à tirer et donne le ton. L'intensité est au rendez-vous, comme le montre le tir d'Alan quelques secondes plus tard, puis deux frappes du numéro 11 de l'AVH. Heureusement, Lucas est attentif. Kevin surenchérit et des actions surviennent de chaque côté du terrain. Les défenseurs de l'AVH sont au rendez-vous, tout comme le gardien, qui arrête une action dangereuse menée par Kevin à quelques minutes de la mi-temps. Kevin qui d'ailleurs, sur l'action suivante et avec une belle frappe du pied droit, ne passe pas loin d'ouvrir le score. 0-0 à la pause. L'occasion pour les deux formations de faire le point et d'écouter les conseils des coachs. Le match reprend et l'intensité est toujours là. Première frappe de Kevin au bout de quelques secondes et bel arrêt du gardien de l'AVH. Nouvelle occasion quelques minutes plus tard avec une belle tentative de l'attaquant lensois qui tente une talonnade, malheureusement captée. Et sur l'action suivante, enfin, le chemin défilé est trouvé. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Une célébration pleine d'émotions pour Kevin qui dédie son but à sa nièce et à sa filleule. Quelques occasions suivent, mais le score restera inchangé au coup de sifflet final. Victoire 1-0 du Racing Club de Lens. Place maintenant aux interviews du capitaine et du buteur. C'était un match compliqué en soi parce que Paris, c'est une équipe qui sait très bien se placer et qui est très agressive. Donc c'est un peu compliqué en attaque. On avait commencé avec deux défenseurs pour faire une base solide. On s'est rendu compte qu'il y avait des actions, des occasions. Du coup, on a basculé avec un seul défenseur et deux milieux pour soutenir Kevin justement. Ça s'est bien passé. Après, dommage qu'on n'a pas marqué le deuxième parce que c'est vrai qu'on n'était pas à l'abri non plus d'une action à face à face à tout moment. Donc, on s'en sort bien et tant mieux. J'étais pas dans un grand jour, mais grâce aux encouragements de mes coéquipiers et de mon staff, j'ai pu me ressaisir et inscrire ce but que je dédie à tout l'ensemble du club, à mon capitaine qui est toujours là pour moi, et alors à ma nièce. Et ma filleule qui vient de naître. L'après-midi, l'entraînement reprend car une nouvelle rencontre attend les deux formations. À 14h, l'AVH et le RC Lens entrent sur la pelouse et saluent les supporters venus en nombre pour les soutenir. Le coup d'envoi est donné par Alan et Kevin qui, à nouveau, instaurent une grande intensité dès les premières secondes. L'AVH répond directement avec une belle frappe du numéro 3, bien captée par Lucas, qui ne se laisse pas surprendre. La défense est au rendez-vous et permet à l'attaque d'insister avec deux tirs consécutifs, pas loin de trouver le cadre. Le numéro 11 parisien tente sa chance mais échoue face à Lucas. Même chose pour Kevin, qui vient se heurter au gardien de l'AVH. 0-0 à la mi-temps, rien n'est encore fait. L'AVH donne le coup d'envoi et le match reprend. Une belle occasion pour Alan et pour le numéro 3 de l'AVH, mais les gardiens sont vigilants, rien ne passe. Kevin revient à la charge et après un premier beau tir non cadré, il trouve enfin la faille. 1-0 pour le RC Lens. L'AVH tente de réagir avec une belle action, mais ne parvient pas à égaliser. Victoire du Racing, 1-0. Félicitations à tous les joueurs et place à Michael, le coach de l'équipe.
pense que c'est tout à fait mérité pour les joueurs. C'est surtout aussi une satisfaction pour eux par rapport à tout le travail qu'ils font depuis le début de saison. Ils sont récompensés des efforts et peut-être récompensés aussi par rapport à des matchs où on aurait dû gagner, où on n'aurait pas dû perdre contre Précy, où on aurait pu faire un match nul. Donc là, ça vient conclure et récompenser le travail des garçons. Rendez-vous le 26 février pour la 5e journée du championnat avec deux matchs contre Saint-Mandé et Précy-sur-Oise.